Damien, explique-moi ce qui se passe derrière nous. Eh bien, on a des chefs d'entreprise qui réfléchissent à ce que c'est qu'une entreprise désirable, mais ils réfléchissent un petit peu différemment de d'habitude. Pour ça, ils utilisent des Lego avec une méthode qui s'appelle Lego Serious Play, qui va juste toucher neuronalement des parties qu'on a peu l'habitude de toucher quand on fait du brainstorming. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser au centre des jeunes dirigeants, le CJD de Vendée, qui m'a invité à un atelier un peu spécial pour imaginer et créer à base de Lego l'entreprise désirable. Mais c'est quoi une entreprise désirable pour un jeune dirigeant? Alors une entreprise désirable, c'est l'énergie, c'est le bonhomme en évolution, l'homme au cœur de l'entreprise, en mouvement et tourné vers l'extérieur. Pour nous, c'est d'abord une vision claire. On a mis des briques aussi de couleurs parce que ça voulait représenter la diversité dans l'entreprise. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Okay. Et puis parfois, ça ne va pas forcément dans le bon sens. On revient en arrière, mais finalement, si on a une vision claire, on y retourne toujours. Donc une entreprise idéale pour nous, c'est de l'innovation, c'est de la RSE, de l'écologie et de la progression. Une entreprise idéale, c'est une entreprise qui fait progresser ses salariés et soi-même. C'est une entreprise ouverte, transparente, où les collaborateurs, l'humain, est au centre des préoccupations de tous. C'est aussi une entreprise qui fait des ponts vers son environnement et le côté RSE de l'entreprise. C'est une entreprise qui n'a pas de tabou à l'égard de la vie privée des gens qui la composent. Ça, c'est le bar ? Ouais, alors c'était pas une idée force. On avait symbolisé un petit peu l'extra professionnel parce que voilà, l'individu, ça n'est pas qu'un individu dans l'entreprise, c'est aussi un individu à l'extérieur de l'entreprise. Alors pour moi, l'entreprise désirable, c'est avant tout l'entreprise qui met l'homme au cœur de l'entreprise. C'est nos valeurs, nous, premières de l'entreprise, c'est-à-dire c'est travailler ensemble avec une certaine transparence, c'est de pouvoir transmettre à l'ensemble du personnel et des gens autour de toi des valeurs communes qui soient partagées et qui soient décidées ensemble. Donc vraiment, c'est un homme, une voix, c'est pas un schéma pyramidal, c'est vraiment un schéma linéaire. Beaucoup d'idées totalement différentes pour arriver à un objectif collectif et co-construire ensemble. Pour moi, c'est une relation de confiance, un objectif, du sens dans l'entreprise, des valeurs et une équipe autour de ça. Et les couleurs, c'est la mixité. La mixité des compétences, des origines, etc. Okay. Une entreprise désirable pour moi, c'est mes clients et mon équipe. C'est une entreprise qui me laisse vivre mes passions, tout en continuant à faire un petit peu de plus quand même. C'est une entreprise qui protège ses salariés. L'entreprise idéale, mais c'est la mienne. Et toi, ton entreprise, elle est désirable ou pas? Alors, oui, je pense, au niveau de l'individu au centre de l'entreprise, ça c'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui. La clé, c'est de prendre du plaisir et que tous les matins et tous les soirs, on voit les salariés arriver avec le sourire et qu'ils repartent le soir avec le sourire. Je crois que la clé, elle est là. Et ton entreprise à toi, elle est désirable? J'espère. On fait tout pour. Ça, c'est un patron. Ça, c'est ses collaborateurs. L'entreprise désirable, c'est pas ça. C'est ça, le patron qui se met face à face avec ses collaborateurs et qui interagit avec eux, qui réfléchit avec eux au quotidien. Et alors pour toi, une entreprise désirable? Eh bien, c'est peut-être la vôtre.